Et lui les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog distant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup Spirits, du coup Hunters, Infinite Horde qui m'a été offert par Vid. Et je crois que j'avais pas plus de points, fallait que je relance une nouvelle partie. J'aime bien la glace. On va essayer de refaire une partie là-dessus, parce qu'après on a débloqué les hautes terres. Et il y a un multiplicateur. On va essayer de refaire une dernière fois celui-ci pour voir. Ah, j'ai plus le chat. Je trouve que la musique est un peu moins intéressante, un peu plus redondante que... Alors... Ouais, j'ai terminé plusieurs fois ce niveau, donc niveau... Je suis pas sûr que la portée soit le truc le plus intéressant. Je pense que je vais essayer d'augmenter les dégâts. Ça pourrait être utile. C'est vrai, Arboria? En même temps, il n'y a qu'une centaine de joueurs par jour sur le jeu. Enfin, en simultané, je veux dire, pas par jour, c'est faux. Par jour, il y en a plus. Mais en général, il me semble que c'est à peu près ça. Hein. J'ai pas de sous, donc je suis obligé d'acheter. Porter l'attaque, non. La roue, je l'ai jamais essayé. Dans les prochains niveaux. Bon, après on va pas raconter de bêtises. J'aime beaucoup le style graphique du jeu quand même, comparé à Vampire. Mais du coup si ça avait pas eu une mise à jour quand même, hein. Bien tapé dans les brûlures là. Faudrait que je pense à explorer un peu plus, que c'est vrai que je me balade peu dans le jeu. Il va falloir qu'il y ait des choses à miner. Donc j'ai plus qu'intérêt à essayer d'explorer un peu la zone.
l'impression de faire n'importe quoi là. Normalement, ça va faire pas mal de ménage ça. Ça m'a l'air plutôt efficace, hein, cette histoire de... Tu perds un petit peu de vie, mais c'est pas non plus... terrible. Et... Bernard Minet, putain, joli. Casse-croûte, joli. Alors, ben, je le trouve pas forcément plus lisible, celui-ci, hein. Au bout d'un moment, ça devient toujours le même bordel où tu comprends plus rien à ce qui se passe autour de toi. Je crois que pour l'instant, j'ai pas encore perdu une seule partie sur le jeu. En général, les survivors comme ça, là, les roguelites un peu familiers. De l'aimant de 25% creuse pour du butin toutes les 8 secondes, augmenter les dégâts de base de 5. Qui m'a touché, non? Ah, j'avais pas vu ça. S'il est possible de modifier quelques armes. Là il y a un marchand, mais j'ai quasiment rien en pognon. Là où j'avais vu des caisses et tout. Ce qui peut être intéressant pour récupérer quelques ressources éventuellement. D'autres familiers. Un familier qui me permettrait de récupérer de plus loin. Oh, on dirait un coffre bien particulier, ça c'est quoi? Par contre, je prends cher, de plus en plus.
méga coffre. Ça pique, ça pique. Ben, je la trouve pas stressante, je la trouve répétitive à souhait par contre. J'ai pas vu de carré blanc transparent. Mais du coup, ouais, je trouve que le jeu manque de quelque chose comparé à ce côté... voilà. Ah bah c'est la répétition qui stresse. Mais je suis d'accord, c'est pas... C'est comme si j'avais un truc qui... La boucle était trop courte, je trouve. C'est un peu la sensation que ça me donne. Là, il faudrait qu'on change de niveau pour voir un petit peu si elle change la musique ou non. Ah, le carré blanc. Non, c'est pas la minimap, le carré blanc. C'est la zone de portée de mes éclairs. I'm back. C'est rare que j'ai autant de souilles donc dans le jeu. Tac. Ça a fait un peu mal. Ah, il y a notre... Il y a notre familier, là. J'aime bien ce principe de ramasser des familiers dans le décor. On a vu que j'aurais mieux fait d'augmenter les dégâts, mais... J'ai pas l'impression d'être particulièrement en danger. Hein. J'ai nombre d'éclairs plus 5. Et merci Giku de Macnea pour le resub. Pour le resub Prime. Merci beaucoup de m'avoir choisi. Merci d'avoir fait de moi ton élu. La fin, le vin de Bordeaux, ah ça je sais pas du tout, moi je connais pas, je vois pas de vin. Il y a un coffre. Je sens que je vais avoir mal. Thank you.
Ok, il y a un petit truc coché là, ça veut dire que les dégâts de gel, je peux pas les monter plus haut que 7. C'est vraiment qu'ils m'ont pas proposé plus, hein. Il est immune contre quoi, lui? Si j'ai quand même l'impression de... Ah si, on peut continuer à augmenter. J'aurais bien aimé augmenter la vitesse à laquelle le truc frappe. J'ai l'impression que je vais mourir bêtement. J'aurais bien essayé de... voir s'il n'y avait pas l'autre truc à visiter. Ouh, lui là. C'est pas si mal. J'avais trouvé un truc pour récupérer de la vie et tout parce que... Il me reste 5 minutes pour finir le niveau. Assez de dégâts. Ah mais c'est quoi ça? Avec une espèce de théière sur le dessus. Aïe! Il envoie les tasses de café. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'il m'a pris? Augmente nombre de 1. J'ai pas récupéré tout le contenu du coffre, on est d'accord. Hein. Ah, mais il y a un animalier là aussi. Parfait, ça. Alors, vitesse de... Attends, augmente la vitesse de déplacement des héros, la vitesse de minage des cristaux est augmentée 30. On va prendre ça, même si pour le coup, c'est pas particulièrement utile pour moi. Bon, encore un de ces machins avec ces tasses, là. Ah, il y a un autre truc ici. Oh! Ma foi, ça va être une cache plutôt intéressante, ça. Augmenter les dégâts de 2, ça me plaît. Augmente la vitesse de déplacement du héros. De base, sont désormais augmentés de 10. Plus de dégâts, c'est pas pour me déplaire, ça.
Sauf que le truc de foudre, il a un peu pété quand même. Je fasse gaffe à l'heure. Bientôt il sera amélioré à fond ce truc là. Ça m'a plutôt l'air d'être efficace hein. Peut-être plus augmenter la portée des on appelle ça des du gel. Et avant que tu les envoies, en général, Bad Wolf, tu peux les recevoir très rapidement, mais pas cette fois-ci, parce qu'en général, les courriers, je les poste, vu que j'ai quasiment un kilomètre à pied à faire. Je les poste dans la nuit du mardi au mercredi. Fatigué, je n'avais même pas mon live aussi. Bah, quelle idée alors ? C'est une honte, je suis totalement d'accord. Mais j'aimerais bien trouver une solution pour ne pas avoir besoin de faire ça. Et c'est pas l'exclamation boutique Bad Wolf, mais dans le prochain courrier, ça partira pas avant mardi prochain, mardi mercredi. En général, j'envoie tout d'un coup. Les plants de vigne, d'accord. Ça va sinon, monsieur Papa Soboy ? Le record est prêt à être atteint ou tout s'arrêtait il y a peu ? La dernière fois que je suis passé, t'es plus très loin du record à 592, hein. Point d'exclamation boutique, Bad Wolf. Voilà, niveau 25 attend, donc normalement je pourrais pas monter plus haut que ça. Voir ce qu'il me propose lui. Pas dégueu. Il y a 15 là-dessus. Bonne nuit, Netty. Fais doux rêves, repose-toi bien aussi. Guidori, je crois que je t'avais pas dit mon fond non plus, donc coucou à toi. Guy Cool McNerd aussi, coucou. Papa Subway, Bad Wolf. On est bon normalement. Ben, j'aime beaucoup le style du jeu là pour l'instant graphique. Il me fait penser à au style de Darksiders. Sur les, tu vois par exemple sur les visuels. La façon dont les boutons sont faits aussi. Ils me plaisent bien les boutons. Mais là le boss va arriver dans quelques secondes. S'enlève et le boss arrive. Mmh.
Voilà. Mission accomplie. Après, je sais qu'il y a les défis à accomplir. Allons voir l'oracle. Le monde se réjouit de votre victoire, chasseur. L'espoir revient avec chacun de vos triomphes. Parce qu'on avait vu là-haut qu'il y avait difficile de la carte ruine du désert. Il fallait 250 points. Et après, c'est quoi ça? Mode brutal. Une créature puissante, mais les ruines recèlent-elles encore d'encore plus de menaces? Nous prêts à relever le défi. On va voir. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas ce qu'il fait, lui. Ça peut être cool, le bestiaire. Ah, chasseur, je vois que vous avez le bestiaire entre vos mains. C'est un registre des bêtes que vous avez vaincu. Ça nous aidera à voir ce qui compose la horde. Capacité tornade, j'utilise quasiment pas. Éclair, je l'avais déjà augmenté à fond. Les pics, je touche pas vraiment. C'est l'éclair et la glace que j'utilisais beaucoup de fois. Dégâts, ça veut dire des capacités augmentées de vrai, je sais pas. Après, je sais pas si ça concerne ces capacités-là ou encore autre chose. Donc, il y a un nouvel ennemi ici. Nuage de poison. J'ai pas assez pour l'acheter. Vaillant, laisse tomber un cœur familier vaillant. Ce sera un nouveau familier. C'est des capacités, mais est-ce que ça concerne que cette capacité-là ou est-ce que ça concerne toutes les capacités, tu vois? Ouais, c'est bien typé pour me dessiner, j'aime bien ça. Rappelle-toi que Prop Knight, c'est le mal. Mais du coup, merci pour le compliment, ouais, parce que je trouve que le style est joli. J'aurais bien acheté ça, mais j'ai pas assez. On va essayer vite fait de faire une nouvelle carte, parce qu'après, il faut peut-être que j'aille effectivement réveiller Chérie. Vitesse des projectiles de capacité, portée des capacités augmentées de 5. Amélioration d'éclairs fulgurants, ok. On va commencer et on va essayer les hautes terres pour voir. Bah c'est pas une mauvaise chose, t'as avancé, t'as bossé, donc c'est plutôt cool, non? C'est vrai? Ah, oh, j'ai acheté plein de trucs qui me servent à rien, parce que j'utilise jamais les capacités en liaison. Moi je me suis dit, ça y est, ça va tout toucher, là on va être tranquille, ça va être trop cool. Pour moi ça augmente tout, parce que c'est pas précisé. Ils disent les capacités, pas la capacité. Dans le dos, j'ai jamais essayé.
sens que ça va me plaire, Tornado. Quoique... ça te fait un petit chemin à suivre, c'est pas si mal. Hein. Des poules, sérieux? Arrow, j'ai jamais essayé. Je vais essayer Arrow pour voir. Les poules font mal. Il y a un truc pour miner là. T'as joué au jeu du coup? Ah, attends, je vais dire ça tout de suite. Alors moi, il marque qu'elle a été échouée, la commande. Ils disent que le paiement a été décliné. Donc il y a bien une commande qui a été lancée. Bah attends, t'avais pas commandé 3 boosters, là. On avait commandé bien plus que ça. Là-dessus. Fais attention quand même, tu risques d'avoir beaucoup de doublons si tu fais ça. Vaut mieux que t'en prennes un peu moins, tu vois, maintenant, et que t'aies pas trop de doublons plutôt que autant d'un coup. Tu vois? Parce que là, je me dis, c'est bizarre, vu le prix, c'est pas logique que t'en aies pris que 3. Ce sera plus plaisant pour toi d'avoir de recevoir des cartes en fonction de du truc. Non, t'as commandé 17 paquets. Ce qui fait une facture à 100€, quoi. Donc dans un sens, heureusement qu'elle n'est pas passée. Là, c'est ce qui me dit que t'as commandé 17 paquets, pas 17€. Ouais, vas-y, tu peux le poster où tu veux, en fait. Que ce soit dans le chat, ou sur le Discord, ou... Après, si c'est un truc plus artistique, n'hésite pas à le poster dans les salons artistiques. Pratique, ces trucs, ça me fait comme une sorte de porte de sortie, si elle se rassemble pas trop derrière. J'arrête de revenir par là, on a déjà vu plusieurs fois ce qu'il y avait par ici, il faut que je me déplace ailleurs. Là, par exemple, il y a un truc à miner, je pense qu'on a vraiment intérêt à se déplacer régulièrement. Ah, moi, c'est pas du tout l'information que j'avais, hein. Précédente commande. Il y avait une facture à 100€. Bah vas-y, fonce. J'hésite.
On va essayer ça en même temps. Je fasse gaffe à l'heure. Augmenter dégâts de 4. J'aime pas qu'il faille viser. Super épée. Ah, petit boss. Attends, il y a un gros coffre là. Il y a deux boss. Attends, non, c'est pas les boss ça. Le truc s'est ouvert. J'ai l'impression de pas trop galérer pour l'instant. Enfin, je veux dire, comparé à des jeux de d'autres jeux de survie, quand tu prends les jeux comme Vampire Survivor, en général, tu mets du temps quand même à tuer tes ennemis, et souvent, la première partie, tu te fais éclater. Non, non, mais c'est celle qui a été échouée, dont je te parle. À moins que ce soit pas la même commande. Non, c'était pas toi, Sabadwolf. Attends, mais... Parce que du coup, c'est pas la tienne, hein, ça, je pense. Elle a eu lieu quand, celle-ci? 26 septembre, c'était il y a deux jours. C'était pas toi, ça. Faut que tu rentres ton adresse postale pour que je puisse te les envoyer. Donc ça n'a rien à voir, ce que je regarde, mais en fait, non, c'est ça n'a rien à voir. Merci, du coup. Je sais pas si tu es encore dans le chat ou pas. La personne qui est en tête passée commande je sais pas si tu es encore là ou si tu es en lurk. J'avais tenté de passer une commande le 26, apparemment le paiement a échoué. Et du coup, rien à voir avec toi, Badwolf. C'est quelqu'un qui a commandé pour 100€ de carte et apparemment le paiement a échoué. Merci, j'irai voir ça du coup. Ça a du mal à passer là. J'ai toujours pas eu la poule, d'accord. Hein. Elle est bloquée que par là-haut. Qui vont pas dans le bon sens. Yes. Ça a failli dans le même temps, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc en bas là?
Aïe. Attends, faut voir. Parce que là, j'ai même pas une seule information disant qu'il y a eu une commande pour l'instant. Même pas une commande qui sera en cours ou échouée, ou genre de choses. Tac. En fait, c'est sympa les tornades. Il me faudrait juste une attaque à portée. Ça fait quand même une sacrée attaque de zone, hein, cette histoire. Même si on sait pas exactement dans quelle direction on va partir. Par contre, les flèches m'intéressent pas plus que ça. Compte que Nintendo rate un coche en ne le sortant pas. Quoi? C'est le Ocarina of Time? Pique une seule fois, hein, comme je te dis, ça finira par arriver. Que pour l'instant c'est bizarre, il m'arrive absolument rien de mon côté. T'es sûr que t'as pas un message d'erreur ou quelque chose dans le genre? Un champ que t'aurais pas rempli ou un truc comme ça. Ne clique qu'une seule fois sur commande à chaque fois. Normalement il est censé te dire ce qui va pas, normalement. Faut que je fasse gaffe, j'essaie d'accélérer parce que... Ah mais j'aurais pas le temps en fait. Encore une poule? Par contre j'ai l'impression que les boss sont aléatoires, ça c'est plutôt cool. Assez de dégâts. Un familier. On n'avait pas eu cette partie. J'ai l'impression que c'est quasiment rien les dégâts augmentés là. Je
les coffres. J'ai l'impression qu'il y a des sifflements dans le jeu, mais j'arrive pas à savoir s'ils viennent de chez moi, du jeu ou autre. Plein de bonus pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Que je, là, je suis à peine à la moitié en fait, là, je crois. Aïe. Je vais me donner aucune indication sur l'heure à laquelle il fallait que je la réveille, donc. Je prends tellement coup. On est à 21. C'est tellement efficace cette tornade. Je ne m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Allez, les yeux qui piquent. Nouveau boss. Ça pique. Et ouais, il y a un côté très satisfaisant. Mais je trouve quand même qu'il est moins satisfaisant, tu vois, que Survivor pour l'instant. Vampire Survivor. Je peux pas dire que le jeu est moins bon parce qu'il est différent et je préfère ce style graphique que celui de Vampire Survivor de base, tu vois. Mais bon. Il y a des bonnes idées dans celui-ci. J'ai l'impression... Ah si, là, il y a une fenêtre d'ouverture. Puissance de recul, je sais pas à quoi ça correspond, ça. Si t'en as deux plus. Je crois que l'éclair est au maximum là. J'essaie de terminer la partie. Je sais pas s'il faut que je réveille Chéri ou pas. Et Je pense que ça me fatiguerait au bout d'un moment.
Ah, je vois une commande là, en cours. Il y a une commande de 17,97€ qui vient de passer. Normalement, j'ai tout. Ajouter une note, ce serait toi. Ouais. Je te confirme qu'elle est passée. Merci beaucoup pour ta commande, du coup. On ira préparer ça après. Voilà. Normalement, je l'ai. Je te confirme que je l'ai bien. Mais j'ai pas envie. Je te comprends. Quoique si, à la fin de ma journée, moi, j'ai bien envie d'aller dormir. Mais c'est uniquement parce que je vais recharger un peu les batteries pour pouvoir après recommencer le lendemain à faire d'autres trucs. Je vais terminer la partie là vite fait, puis après j'ai réveillé Chéri, je sais pas du tout à quel heure il fallait que j'arrive. Si, il fallait que j'arrive. Oh mais les tornades, elles sont trop cool. Allez, 10 tornades. C'est vrai que j'avais oublié que je pouvais être un super gros barbare comme ça et... récupérer un petit peu de vie si jamais j'étais coincé. Que j'ai pas du tout amélioré encore. Comment elles font le ménage, les tornades, elles me plaisent. Ah bah tiens, ça a défoncé le boss par la même occasion, voilà, tranquille. Encore des ressources, je vais pas dire non à ça, moi. Ouais, je termine la session, puis après je me dépêche, j'ai réveillé Chéri. En fait, c'est vrai qu'on se dit que les parties durent 15 minutes, mais à chaque fois qu'on doit choisir, les trucs changent. Quoi ? Ça dépend des cartes qui sont dedans. Mais en général, faut compter que l'envoi du courrier me coûte au moins 2€. Et que et qu'en général, les cartes me coûtent à peu près entre 1,50€ et 2€ par paquet. Ce qui veut dire quand vous achetez le paquet à 5,99€, en fait, ça me rapporte entre 1 et 2€ par paquet. Acheté. On va dire que c'est entre 50 centimes et 2€ grand max, quoi. Mais en fait, c'est le prix à la carte et les frais de port. C'est-à-dire qu'il faut compter minimum, en général, les frais de port, juste payer le timbre, me coûte 2€. Déjà, parce que le paquet de cartes fait 20 grammes. Donc, ça veut dire que... avec l'enveloppe. Donc, ça veut dire que systématiquement, je passe au-dessus du cap des 20 grammes limité. Et donc, le palier suivant, c'est 100 grammes. Mais en général, je m'y retrouve. Je suis bénéficiaire, quoi qu'il arrive, normalement. Ouais, il faut que je termine la session et qu'après, je coupe la rediffusion pour les réveiller, Chéri. Ça se trouve, elle va me dire... c'est rien du tout 20 grammes, ouais. On a deux à 100%.
tornades là. J'aime bien les tornades, hein. Pom, 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 ça fait de la place autour de toi. Bonne nuit, les petits. Plutôt cool. J'ai l'impression que ça va pas loin. Et bonne nuit, Saïmotep. De quoi qui prend un temps fou? Pour les. Pour la création des cartes? Pour l'envoi des cartes, c'est ça dont tu parles? Ou tu penses à autre chose? Bah, une fois que j'ai passé commande, normalement ça va plus vite pour les comportements d'artitude. Il y a des gardes de partout. S'éloigner un peu quand même, parce que je le sens pas si soir. J'ai l'impression que ça va toujours le même. Ah non, c'est bon. Là, le boss. Et après, je fonce réveiller Chéri. Ouch, ouch, ouch. Vas-y, celui, lui a combien de vie encore, lui? Ouais, Gérard, faut mourir là, faut gérer les chéris. Enfin. Alors on va s'arrêter là. Ouais. Ça serait compliqué pour moi si vous m'envoyez les cartes, que je les renvoie, ça serait quand même de sacrés frais intermédiaires. Du coup, vite, faut que j'arrête le jeu. Donc j'espère quand même que cette rediffusion vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, prenez soin de vous. Et à tout de suite, je vais aller accompagner Chéri pour voir s'il faut que je la réveille ou pas, parce qu'elle m'a pas donné de consigne tout à l'heure. Donc je ne sais pas où on en est. Achievement, tu les entends, le petit plaisir. Allez hop, j'arrive à tout de suite. Je coupe la rediffusion et après je vais en pause. Ba-dum-bum, 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 ba-dum-bum.